Sœur, maintenant, tu me dis. Je ne peux pas attraper la langue d'Anjad maintenant. Une femme peut elle-même commencer à se battre contre son mari. Et en plus, il t'écoute comme toujours. Pourquoi tu t'inquiètes autant qu'Ozar? Dire. Le cœur de ton frère est pur de ton côté. Regardez, s'il avait eu des inquiétudes de votre part, il l'aurait dit. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sœur, je veux m'excuser auprès de mon frère au nom d'Anjad. Il n'y a aucune raison de s'excuser pour. Tu t'inquiètes pour aucune raison ici. Ok, très bien. Tu ne me fais pas confiance maintenant, n'est-ce pas? Alors va demander ça à ton frère. Oui, sœur, jusqu'à ce que je ne m'excuse pas auprès de mon frère. Je ne me sentirai pas à l'aise. Quand je parlerai à mon frère, je me sentirai bien. Ok, alors continue. Vas-y et parle-lui et tu te sentiras mieux. Salutations, frère. Salutations à toi aussi, Kozar entre. Asseyez-vous. Vous êtes seul? Où est Anjad? Non, Anjad est à son bureau en fait. Ok. Frère, je voulais te dire quelque chose. Oui, bien sûr, tu peux dire n'importe quoi. Tout ce que tu as entendu dans ma maison. Je veux m'excuser pour ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Même m'excuser car je sais et je comprends ça. Une personne ne peut être perçue que comme la façon dont elle va bien. Qu'est-ce que tu dis, frère? C'est grâce à toi que je suis heureux. Anjad devrait. Je n'ai rien dit de ce qu'il a dit. C'est comme le fait que vous devez assumer un gorgé amer à cause de la réalité de quelqu'un. C'est d'accord. En plus, ne t'inquiète pas, d'accord. J'ai décidé que je le ferai. Ne jamais intervenir dans les problèmes des autres. Frère, s'il te plaît, ne dis jamais ça, d'accord. Tu es littéralement tout pour moi, ma mère, mon père, et mon ami aussi. Mon frère. Oui, je le suis effectivement et tout ira toujours bien. Ne t'inquiète pas sans raison, d'accord. S'il te plaît, pardonne-moi. Oh non, pourquoi tu m'excuses? Frère, tu n'es pas contrarié, n'est-ce pas? Est-ce que les frères sont même en colère contre leur propre sœur maintenant? Non. Comme ça, papa détestera encore plus oncle Amjad, d'accord. Si papa le découvre, que nous nous sommes déjà mariés sans en informer, il ne t'acceptera pas. Fais-moi confiance, dit-il. Je pensais à la même chose. Eh bien, les grands esprits pensent la même chose. Je suis inquiet ici et tu fais des blagues. Que puis-je faire alors? Je suis toujours sous tellement de pression. Les pressions de Zara et puis, cette situation avec oncle et papa. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas faire une comédie à côté. Ça. Pourquoi Zara est-elle si silencieuse ces jours-ci? Je pense qu'elle a accepté la situation. Je pense que nous devrions divulguer notre mariage. Non, pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. À cause du rejet de Wassim, ils sont déjà très tendus. Et il est blessé du côté de son oncle. Si maintenant je leur dis que j'ai fait ça, ils pourraient me tuer. Jusqu'à combien de temps allons-nous nous cacher comme ça?
Dis-moi maintenant. J'ai dit que je veux aussi que nous fondions une famille ensemble. Que nous n'avons pas à nous rencontrer comme ça. Pour qu'on puisse se parler, tu sais. Que nous pouvons passer une bonne vie. Je veux aussi que ça arrive. Mais pas maintenant. Quand je trouve le bon moment. Ton téléphone sonne. C'est Yazir. Ok, alors ramasse-le. Demande-lui ce que c'est. Bonjour. Oui, bonjour, maman m'a appelé quand je l'ai appelé à l'époque. Elle ne décroche pas. C'est tout. Ok là. J'étais dans ma chambre et le téléphone était en mode silencieux, je ne sais pas. Que s'est-il passé cependant? J'ai besoin de parler à maman. Je pense que maman est dans la salle de bain. Je rappellerai quand elle sortira. Ok, je rentre à la maison. Ok, alors au revoir. Saint Yazir rentre à la maison et avant. Il te voit ici, rentre chez toi, ok. Quand tu es nerveux, tu deviens plus jolie. Est-ce le moment de devenir romantique maintenant? Tu es ma femme, donc c'est mon droit, ok. Alors vas-y et essaie de ramener ta femme à la maison. Sanam, fais-moi confiance, quand papa va mieux. Je leur dirai alors. Vraiment? Oui, exactement. Je suis aussi fatiguée de ces jeux. J'espère. Seras-tu capable de le faire? Je devrais le faire. Savez-vous? Je me sentais très bien après ce que tu as dit. Sanam, je ne peux pas rester loin de toi. Peu importe. Maintenant, tu dois y aller, Yazir reviendra, il est tard. Très bien. Nous nous reverrons bientôt, d'accord. Maintenant, nous nous reverrons quand je viendrai chez toi, tu l'as eu. Thank you.
Sanam. Sanam. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Et ce gâteau. Yazir, pourquoi es-tu ici à ce moment-là, au fait ? Pourquoi je ne peux pas venir à ce moment-là maintenant ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, tu sais. Tu peux bien sûr pourquoi tu ne peux pas. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi es-tu inquiet ? Je ne m'inquiète pas de ce qui ne va pas. Je t'ai souhaité, et tu ne m'as pas répondu, tu sais. Oh. Je suis tellement désolée. Désolée. Merci beaucoup. J'ai apporté du gâteau glacé, donc tu ferais mieux de le mettre au réfrigérateur. Nous pouvons le manger le soir. Sinon ça va fondre. Qui a apporté ça ? En fait, Fazela m'a apporté ça, tu sais. PH, je pensais que Saint avait apporté ça. Pourquoi Saint apporterait-il ça ? Fazela a apporté ça, je te l'ai bien dit. Saint n'est pas venu ici ? Non, non, Fazela est venue et elle a laissé tomber ça et... Puis je suis partie une minute avant ton arrivée. Sœur. Où est maman ? Elle est allée au marché et elle reviendra bientôt. Tu as dit qu'elle était dans la salle de bain. Oh oui, quand tu as appelé, elle était en fait dans la salle de bain. Elle est partie il y a peu, ne t'inquiète pas. Elle sera bientôt de retour, d'accord ? Bonjour. Maman, où es-tu ? Je suis absent à cause du travail. Quand es-tu parti ? Juste une heure environ, je rentre à la maison. Ok, alors au revoir. J'ai vu frère Saint partir, mais Sana m'a dit qu'il n'était pas venu ici. Sana m'a dit la même chose à propos de maman qu'elle vient de quitter. Mais maman a dit qu'elle était partie il y a une heure, pourquoi Sana me ment ? Est-ce que Saint est venu ici pour rencontrer Sanam ? Ça veut dire que Saint et Sanam s'aiment. Salutations frère Yazir, comment vas-tu ? Oui Fazela, comment vas-tu ? Je vais bien et dis-moi comment va Sanam ? Sanam ? Tu n'as pas rencontré Sanam ? Comment puis-je la rencontrer ? Je pense venir chez moi, mais je ne trouve pas le temps, tu sais. Vous avez dit que maman n'est pas à la maison et je suis sorti il y a un peu. Oui, elle est partie il y a un peu avant que tu rentres à la maison. Je viens de parler à maman au téléphone et maman est allée au marché il y a 2 heures. Et tu as dit que Fazela t'avait apporté le gâteau. Mais je viens de parler à Fazela et elle n'est pas venue, vous m'entendez ? Sanam, j'ai vu Saint quitter cette maison aujourd'hui. Et tu as dit que Saint n'était pas venu ici. Et Saint a aussi garé la voiture loin. Parlez. Pourquoi es-tu silencieux ? Parlez. Tu as raison, Yazir. Moi et Saint. En fait, on s'aime bien. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis maintenant ? Je dis la vérité, Yazir. Je l'aime depuis toujours. Et celle
le gâteau et ces bonbons que tu as vus. Saint me les a apportés. Es-tu saint d'esprit en ce moment? Venir à vos sens. Saint est le mari de Zara. Non, Yazir. Il n'y a rien de mal entre saint et moi. Ne pense pas mal de moi. Quand maman et papa apprendront ça, ils le prendront. Et si quelque chose leur arrivait? Toi. Tu ne peux dire ça à personne. D'accord. Je leur dirai. Je leur dirai. D'accord. Si quelque chose est arrivé à maman et papa, tu en seras responsable, d'accord. Et si tu veux, tu peux terminer cette conversation ici, tu sais. Je connais mes limites, Yazir, ok. Les frères respectés. Et les papas aussi, je suis au courant, ok. Et je ne dépasserai jamais mes limites. Il vaut mieux en finir ici. Si quelqu'un le découvre, ce sera mauvais. Finis-le alors. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que tu ne rencontreras plus ni ne parleras à ça. Il n'y a qu'une seule façon de calmer Yazir. Je devrais l'écouter. À quoi penses-tu? Parce que si quelqu'un découvre ça, c'est fini pour nous. Il vaut mieux en finir ici. Ok, Yazir. Après aujourd'hui, je ne rencontrerai pas Saint. Mais cette chose va. Je ne vais nulle part, d'accord? Ok, je ne dirai rien à personne. Salutations. Salutations à toi aussi. Comment s'est passée ta journée? C'était bien. Je t'appelais, mais ton téléphone était éteint. Oui. La batterie de mon téléphone est morte, alors je viens de... Vas-tu manger? Non. Est-ce que tout le monde a mangé? Tout le monde a mangé, juste mon oncle. Tu ne savais pas. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas mangé? Je ne sais pas. Il avait l'air inquiet et en colère aussi. Pourquoi était-il en colère? Alors Sana m'a parlé à Saint à midi. Saint est allé chez Sanums aujourd'hui. Il a coupé son gâteau d'anniversaire avec elle. À quel point il est bas. Pas de travail ni d'amour pour moi. Rien ne fonctionne pour lui. Je remarque depuis longtemps que tu souffres. Cette histoire avec l'agent m'inquiète beaucoup. Si ce que l'agent a dit à propos de le truc du mariage est vrai, alors il n'a pas fait le bien. Tu t'inquiètes sans raison.
Je ne m'inquiète pas sans raison, c'est très horrible. Ok, très bien. Si vous avez un doute, appelez Sand et posez-lui des questions. Est-il de retour? Oui, il vient juste de revenir maintenant. Appelle-le. Non. Non. Non, non. Si il dit oui, alors je ne sais pas ce que je vais faire. Non, non, rien de tel n'est arrivé. Je suis très sûre que Saint ne pourra jamais faire ça, je sais. Si tu lui fais autant confiance alors, appelle-le et je lui demanderai. Ok, je vais l'appeler. Ce qui est faux. Tu es allé chez Sanem? Oui, je l'ai fait. Donc? As-tu vérifié mon téléphone? Tu es très intelligent. Tu n'es pas. Laisse-moi clarifier les choses. Je n'aime pas ton interrogatoire. D'accord. Si tu fais ça, je deviendrai fou. Et si tu touches à nouveau mon téléphone, je le ferai. Fais quelque chose que je regretterai. Oui. Saint. Qu'est-ce que c'est? Quel ton utilises-tu pour Zara? Maman, j'étais en fait. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Si ton père t'entend lui parler comme ça, il va te tuer. J'étais juste, tu sais. Que veux-tu dire? Je ne veux pas l'entendre, c'est comme ça que tu parles à ta femme. Est-ce comme ça que je t'ai élevé? Je suis désolé. Ne me dis pas désolé. Dis pardon à Zara. Je suis désolé. Maintenant sors. Ton père appelle. Pourquoi papa m'appelle maintenant? Comment pourrais-je savoir? Va lui demander maintenant, allez. Oui. Viens t'asseoir ici maintenant. Oui. Fils, j'ai toute ma vie. J'ai passé ma vie avec honnêteté et travail acharné. Je t'ai bien élevé et j'ai pris soin de tout ce dont tu avais besoin. Maintenant, comme les autres parents, je pense que c'est mon droit que j'attends de toi. Honnête et très gentil, tu sais. Une bonne personne. Oui, bien sûr. Enfant, après toute une vie de lutte et de dur labeur, la chose la plus importante que j'ai gagnée, c'est que j'ai gagné le respect. Et quand il s'agit de ma dignité et de mon respect, je ne fais aucun compromis. Oui, tu as raison. De partout où je passe à côté des gens. Montre-moi du respect et salue-moi gentiment. Montre-moi ton amour. Saint. En fait, j'ai appris quelque chose sur toi récemment. Quelle chose?
Je vais te le dire, mais écoute d'abord une chose attentivement. À ce jour, je n'ai jamais menti à toi dans toute ma vie. Et je te dis que tu ne devrais pas me mentir. Tu peux demander ce que tu veux. Je ne te mentirai pas, d'accord? Saint. Quelqu'un m'a dit que tu as eu un autre mariage. Moi et ta mère pensons vraiment que tout cela est comme une rumeur. Ça veut dire que Zara a tout dit à papa. À vous de me dire si c'est vrai et que tu as fait un autre mariage. Alors, et qui? Ça veut dire que Zara n'a pas tout dit. Sinon, papa aurait pris le nom de Sanam. Pourquoi es-tu assis ici, muet maintenant? Je veux que tu répondes à ce que j'ai demandé. Est-ce vrai ou pas? C'est un mensonge. Je n'ai pas fait ça. Tu vois, je t'en ai bien parlé. Que notre objectif ne pourra jamais nous faire ça. Ma pensée était exactement la même. Ce qui a dit ne peut pas faire ça. Je ne peux même pas penser à faire ça du tout, tu sais. Très bien. Reste heureux, mon enfant, reste béni. Que Dieu t'accorde le succès. Vas-y maintenant. D'accord. Je le savais. Maintenant. Demain. Je dirai à l'agent que ses papiers et le bureau et Nadra, tout est un mensonge. Maintenant, va mettre la table parce que maintenant, je vais manger à fond, ok, vas-y. Oui, ok, j'y arriverai. Je savais que tu me ferais ça, Mea. Cette fois, je ne savais pas. Dis quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas ressenti de honte en faisant ça. Si tu devais dire à mon père que je me suis marié avec une autre femme, alors j'aurais dû lui dire le nom. Dis, je jure que je n'ai rien dit à mon oncle. Ne pense même pas à mentir, ou bien je le ferai. Personne d'autre n'est au courant, à part toi, moi et Sanam. Alors qui en a parlé à papa? Je ne sais pas comment il a appris, ok. Tu doutes de moi sans raison. Doute. Pourquoi penses-tu que c'est un doute? J'en suis sûr à 100%, d'accord. Cette merde est sortie de cette bouche. Je m'en occuperai, mais je dois le faire. Mais je te le promets. Tu vas tellement le regretter. Fin. Sanam. Qu'est-il arrivé à ta voix?
Je suis tellement en colère en ce moment qu'on dirait. Que puis-je dire? Quelque chose est arrivé. Je suis allé aux toilettes en laissant mon téléphone. Et puis Zara. Et la photo que j'ai prise de toi. Elle a vu ça. Alors? Alors quoi? Elle a dit à papa que je m'étais mariée avec quelqu'un d'autre. Alors? Alors j'ai menti à papa et j'ai réglé le problème. Je la traiterai tellement mal qu'elle s'en souviendra alors. Oncle ne dira pas ça à maman et papa, n'est-ce pas? Non, elle n'a pas dit ton nom. Elle n'a raconté que la deuxième partie du mariage. Alors ça veut dire que... Tu viens de dire que tu as épousé quelqu'un d'autre. Non, je ne l'ai pas fait. J'étais effrayée. Saint. Avons-nous commettre un péché? Juste ça. Les problèmes continuent d'arriver. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez toi aussi ou quoi? Oui, dis. Yazir est venu après ton départ. Il a demandé qui avait apporté le gâteau et les fleurs. J'ai dit que Fazela l'avait fait. Alors? Puis m'a demandé où était maman. J'ai dit qu'elle était allée au marché. C'est bon, alors quel semble être le problème? Yazir a appelé maman et elle a dit qu'elle... Je suis allée au marché il y a 2 heures. Et quand il a appelé Fazela, elle a dit qu'elle ne m'avait pas rencontré, tu sais. Ok, waouh, et puis que s'est-il passé? Et puis Yazir est venu dans ma chambre en colère. Il m'a demandé, et j'ai dû l'admettre, que tu as apporté le gâteau et les fleurs. Et moi, j'ai aussi dû lui dire que je... qu'on s'aime bien. Pourquoi as-tu dû admettre que nous nous aimons tous les deux? Saint. Yazir t'a vu quitter la maison, ok. Es-tu sûre? Yazir m'a demandé si Saint avait apporté le gâteau et moi. J'ai dit qu'aucun Fazela ne l'avait fait. C'est vraiment si mauvais. Va-t-il en parler à sa tante? Non, il ne dira pas. Pourquoi ne le fera-t-il pas? Il a conclu un marché. Que si je ne te retrouve pas, il n'en parlera à personne. Tu as fait la promesse. Je l'ai fait. C'est bon. Écoute, mon téléphone est en train de mourir. Je parlerai plus tard. Prends soin de toi. Au revoir. Qu'est-ce que c'est, Ara? Tu m'as l'air inquiet. Non, ce n'est rien de tout cela. Alors pourquoi es-tu triste? Saint. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien dit. Pourquoi Ara s'inquiète-t-il? Mon oncle, je t'ai dit que ce n'était rien de tout ça, d'accord. Nous ne nous sommes même pas battus. Ok, alors pourquoi as-tu l'air si inquiet? Oh, en fait, j'ai eu vraiment peur la nuit. Et je n'arrivais pas à bien dormir, c'est peut-être pour ça. Tu as eu peur? Où était Saint? Saint était dans la pièce. Je me sentais juste un peu bizarre. Saint, prends bien soin de Zara, ok? Oui. Sureya. Samina. Enfant. Tout ce que j'ai fait toute ma vie était... pour vous tous, ok? Peut-être, pas peut-être que je suis sûr que quelque part. J'ai été strict avec vous tous et je vous ai même grondé et...
mais tout cela était aussi parce que... Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était... Le meilleur pour vous tous, OK. Même à ce moment-là. Même si je ne l'avais pas prévu. Tu sais, par erreur. Une personne peut toujours prendre de mauvaises décisions. Si par quelque chose que j'ai fait ou dit auparavant. Si vous vous êtes senti blessé ou même. Ça m'a énervé alors. Tout le monde me pardonne.